C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la mort de Pierre Mauroy ce matin. C'est une immense figure du socialisme qui nous quitte. Pierre Mauroy était un grand militant et un grand homme d'État. Il était un homme du peuple qu'il avait passé sa vie à servir à la fois comme maire de Lille, mais aussi comme Premier ministre des gouvernements d'union de la gauche entre 1981 et 1984. Aujourd'hui, c'est un moment de tristesse personnelle pour les socialistes, mais je crois au-delà pour de très nombreux Français qui étaient attachés à la figure de Pierre Mauroy, qui étaient attachés à son combat pour la justice sociale, aux grandes réformes qu'il a portées à la tête du gouvernement de la France, l'abolition de la peine de mort, la retraite à 60 ans, la cinquième semaine de congés payés, les grandes lois de décentralisation avec Gaston Defferre. Ça a été aussi le choix de l'Europe en 1983 qui a été déterminant pour qu'ensuite puissent être faites les avancées vers la monnaie unique. Pierre Mauroy, toute sa vie, aura été un militant.